Je sais pas si quelqu'un va voir mon aventure. Je m'appelle José Grande. Je faisais partie d'un des plus grands cartels de l'histoire de Los Santos. Tout ce que vous avez vu auparavant, c'était la majorité des morts de mon cartel, de mes amis, de ma famille. Je suis l'un des derniers restants. Vous comprendrez bientôt mon histoire. Ah. Quelle vie de chien. Je vais ranger mon flingue. Ils sont presque tous morts. Mais bon, faut que je garde la tête haute et que je n'abandonne pas. Je prends ma moto et je vais me barrer. Loin d'ici. Ok. Je vérifie qu'il n'y a pas les flics. Ok. Je vais cacher mon manteau là. Putain de merde. J'en ai marre. Putain de merde. Putain. Putain. J'en ai marre. J'ai dormi dans une poubelle là-bas. Maintenant. Désolée, madame. Maintenant, je vais y aller. Je les brouille. Je vais aller dans mon appartement. On fout du feu. Dépêche-toi, bordel. Voilà. J'en ai marre.
problème sur problème, jour après jour. Déjà la mort de mes compagnons. Giorgio, Sergio, José. Eh oui, je commence à parler tout seul. Je te commence à devenir fou, je crois. Eh oui, on était plusieurs José dans le cartel. Tony, Glorio, Lorio. Beaucoup de personnes. Miguel, Raffaello, Raphaël. Georgina, Christina. Veronica. J'arrive enfin à l'appartement. Bonjour. C'est là que j'habite. Je vais me changer. Ça va être mieux. Pour pas qu'on me reconnaisse. Et puis tout ce temps, je réfléchis à un plan. Pour passer par un flake. Ok. Là, je suis bien habillée. Bah lui, hein. Oh là là. Et dire que cette ville est aussi mal peuplée. Je vais me boire un petit whisky. Ah, qu'est-ce que je fais là? Oh putain de bordel. Oh non, je suis allé trop fort sur l'alcool. Oh putain, qu'est-ce que je fais là? Vas-y, vas-y, maintenant que tu suis. Casse-toi! Putain. Oh bordel. Putain. Putain, putain, il y a déjà les keufs? Mal au crâne. Oh. J'ai mal au crâne. Oh non, je vais pas mourir. Allez. Ok. Oh.
Connard. Ah, allez, allez. Oh non. Quelle de merde. Aïe. Aïe. Heureusement que j'ai les pare-balles en dessous. Aïe. Oh putain, c'est haut. Ah. Je cours vite. 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 Fuck. J'en ai marre. On me cache là-dedans. Au fond. Il m'a trouvé. Oh, j'ai respiré trop fort, je crois. Faut que je monte vite. Foiré. Vite. Je suis dans la merde. Passe-moi ton véhicule, bordel. Ah! Aïe, j'ai mal. Aïe. Oh. Ah, je perds du sang. Aïe. Oh, elle est... Oh, est costaud cette voiture. Oh. Ah, allez, vas-y. Oh là là. Aïe. Aïe. Ah. Ah.
Ok, je me suis changé. Aïe. J'ai mal partout. Aïe. Je vais vous expliquer mon plan. Je viens de sortir de la course-poursuite, mais j'ai déjà la suite de mon plan. Je vous explique. Je vais me venger de tout ce qu'ils ont fait à mon cartel. Ils les ont tous tués. Environ tous. Mais bon, il en reste quand même quelques-uns. Donc, j'ai préparé un plan. Il y a une limousine dans ce bâtiment qui attend un certain Michel. C'est un Poyos. Je vais me faire passer pour lui. Il y a sa tenue SWAT à l'arrière. Je vous laisse deviner ce que je vais faire. Et bah oui, je vais me faire passer pour lui. Je vais rentrer dans la limousine, laisser le chauffeur me conduire et le buter à un endroit plutôt éloigné de la ville, voler la tenue. Et puis, je pourrai accéder à la deuxième phase du plan. Oh là là. Normalement, il est juste derrière si mon plan est parfait. Et si on m'a bien dit, ok, parfait. Faut que j'invente une voix. Ok, c'est parfait. Bonjour. Oui, c'est moi, Michel. Oui, vous pouvez y aller. D'accord, monsieur. Oh là là. Merci. De rien, c'est un plaisir. Ok. Vous passez dans des ruelles bizarres, même, monsieur. Oui. Oh là là. Bon, il met trop de temps. Allez, passez. Oh, il est fou, lui. Vous avez bien raison de le klaxonner. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous rajoute de l'argent si vous passez sur l'herbe. Merci. Ne parlez plus, surtout. Je ne veux plus entendre votre voix de merde. Sympa. Je lui dis quoi? Vous avez choisi, c'est parfait. Ah là là. C'est bien, vous êtes déjà arrivé à destination. Comment ça vous dites? Ah. Vous êtes crédule. Ah ah ah. Ah là là. Continuez votre chemin. Je vous braque. Eh oui. Voilà. Stop. Mais oui, je suis désolé. Vous n'avez rien demandé, vous. Mais c'est la fin. Je pense que là, c'est bon. J'ai la tenue, je peux y aller. Vous avez entendu les tirs, courez! Connaisse.
Bon. Ce fils de pute là. Oh là là. Et maintenant, on va passer à la phase 2. Véhicule anti-émeute. Et oui. Je pense que vous avez compris que je vais me faire passer pour un flic. Cassez-vous de là. Je vais rester un peu caché et je vais rester sur ce toit quelques temps. Je dirais un jour. C'est juste pour ne pas trop me faire remarquer pendant ce temps-là. J'entends les flics arriver. Allez.